Salut à tous les Playing Golfers. Notre philosophie chez Playing Golf, c'est qu'un bon swing de golf, c'est la synchronisation parfaite entre le mouvement du corps et le mouvement du club. Dans cette vidéo, on va vous parler du mouvement du corps. Regardez. Donc nous voici dans l'exercice du club sur les épaules. C'est un exercice qui va vous faire comprendre comment la rotation doit s'effectuer lors du backswing. Un exercice que l'on va faire en deux temps. Je vous montre. Alors, première chose, le départ de l'exercice, on part dans une position normale avec le club sur les épaules, les bras croisés devant. Premier temps de cet exercice, je vais garder mon bas du corps le plus fixe possible, hanches et genoux, ça ne bouge pas. Et je vais d'abord m'occuper de tourner les épaules dans leur plan d'origine, d'accord? Donc je ne bouge pas ma colonne vertébrale, ça ne bouge pas du tout. Et je vais aller le plus loin possible dans cette rotation des épaules. Une fois que je sens que je suis à la fin de ma rotation, je vais laisser mes hanches et mes genoux s'enrouler à leur tour pour aller chercher encore plus loin. Ainsi, vous aurez une rotation qui s'effectuera d'abord par le haut du corps et ensuite le bas du corps pour avoir la bonne réaction en chaîne et bien préparer le retour. Voilà, répétez souvent cet exercice et vous comprendrez comment les grands champions effectuent leur rotation à la montée. Bon entraînement!